Quel drôle d'animal! On dirait un artiste, mais dans les récitals, on l'appelle pianiste. Ce mammifère, concertivore, digitigrade, vit le plus souvent au haut d'une estrade. Il a des yeux de lynx et une queue de pie, il se nourrit de gammes, et ce qui est bien pis, dans les vieux salons, il se reproduit mieux que les souris. Près de son clavier, il vit en soliste. Cependant, sa chair est peu appréciée. Amateur de gibier, chasseur, sachez chasser, ne tirez pas sur le pianiste. Spécialement de leur muséum, messieurs les fossiles, les iguanodons, les mégathériums, les ptérodactyles, ichthyosaures, dinosaures, brontosaures, nabucodonosaures et autres trésors des temps révolus sont venus simplement pour prendre l'air. L'air quaternaire, bien entendu. Et sous les candélabres, ces corps qui se délabrent, éparpillant leurs vertèbres dans tous les sens, les fossiles en tournée, tourne sur la danse macabre de Saint-Saëns. D'interrogation, tout blanc, sur le fond de l'eau verte, le signe, c'est la porte ouverte à toutes les visions. Thank you.
Et maintenant, ça y est, la fête se déchaîne, les animaux oublient les grilles et les chaînes, on danse, on fraternise, le loup avec l'agneau, le renard avec le corbeau, le tigre avec le chevreau, le pou avec l'araignée et le manche avec la cognée. Comme c'est joyeux, comme c'est beau, le carnaval des animaux.